Hello tout le monde, c'est Ron, comment allez-vous? Moi je vais bien, on se retrouve pour le quatrième épisode de notre aventure sur The Evil Within. Toujours en compagnie de notre cher petit inspecteur de police. Oh, des points. Donc on s'était comme d'habitude ramassé la gueule à la fin du chapitre 2. Oh tiens, des seringues, ça c'est bien ça. J'étais en mode grosse galère avec mon pistolet. Il me reste 3 balles. On va tous moller là. Et je voudrais bien retourner dans l'hôpital pour utiliser mes petits points-points. Oh tiens, des munitions, c'est cool ça. Généralement, ce qui est pas bon, c'est quand... Voilà, quand on vous donne de la vie. Et comment s'appelle? De la vie, des munitions et tout ça, c'est qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. Et j'aime pas beaucoup ça. C'est qui? C'est ce sur le pont là qui... Ouais, c'était ce sur le pont ça. What? What? Je fais comment pour passer? Ah, des allumettes. Feu de camp. Bon, tant que je dis pas bonjour au gros avec sa tronçonneuse, ça me va moi. What? Qui souffle tout seul et tout ici là. Genre je suis attendu. Ça veut dire ah tu peux pas faire marche arrière. J'ai cru voir quelqu'un en haut là. Non, non. Attention, on commence à avoir la musique stressante et tout. Moi je m'en fous, j'ai pas peur. Mais là, quand dès que je suis attendu, t'as les portes qui... Oh, une hache. Je peux la prendre. Oh oui, je peux prendre une hache. Une bouteille. Non, 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 t'es fou toi de faire la hache. Est-ce que... Oh, je peux balancer la hache. Bon, ça... Est-ce qu'en la balançant, je peux la récupérer? Oh tiens, bonjour le petit C4. Oh oh. Oh oh. 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 Putain, je fais comment pour y aller? Est-ce que je peux balancer la hache dans la bombe? Allez, on teste. On a la paire de toute façon. À part une hache. Ah d'accord, je peux pas la balancer. Au moins ça met deux de cœur. Bon, puis on fait pas ça. C'est un peu bruyant, mais bon, ça vous dépend. Grenade. Ah, c'est des vieilles grenades de 39-45 ça. Cette grenade à manche est une relique de siècle dernier. Ouais, bah c'est ce que je disais. Hein. Par contre, allume ma hache. Merde! Je voulais pas me soigner, moi! Allume ma hache. Y'a rien. Il fait très noir. On peut ouvrir les portes là? Non, on peut pas l'ouvrir. What the fuck? Ça m'oblige à repasser dans la maison. Est-ce qu'il va y avoir quelqu'un? C'est tout. Ah ouais, j'ai pas encore été à l'étage. C'est pour ça aussi. What? Il y avait pas cette trace de sang tout à l'heure? Si? Je m'en souviens plus. Encore une fucking bombe. Ce que je vais faire avant tout, c'est ça. Même si je vais le regretter, je pense.
toujours bon d'avoir des allumettes. Non, il est mort. Tu attends. Et moi, tu ne vas plus me voir. Qui est là? Non, ne tirez pas. Je ne suis pas comme eux. Je suis docteur Marcelo Jiménez. Vous étiez dans l'ambulance avant l'accident, c'est ça? Oui, on l'a échappé belle. Vous n'avez pas vu les autres? Seulement mon patient, Leslie. Je l'ai vu fuir par là, mais... Mais? Voyez par vous-même. Mais pas un bruit. Attends, moi avant, je visite, tu vois. Hein? Moi, c'est munitions first. Je m'en fous, je vais pas envie de me cacher sous le lit. Putain, mais j'ai encore... Alors, je l'ai encore ma hache. Je vais dire, j'ai encore perdu ma hache. J'aurais ragé, quoi. Putain, il a foutu des bombes partout, cet enfoiré. Ouais, j'ai pas envie d'utiliser munitions. Peut-être on ira visiter sa maison en vrai, je sais pas. Oh tiens, là, ici, il y a des trucs. C'est quoi? Des balles! Des balles! Très bien, je vais en avoir trop maintenant. Mais si, j'avais vu, hein. Ah, d'accord. C'est pas moi qui... Voyez qui par bouge. Vous-même. Ces choses, elles m'ont poursuivi jusque dans le village. Ouais, bah... Il y en a partout. T'es pas tout seul? Leslie est passée par ce portail. Qui est fermé? Il y en a trop pour qu'on passe en force. L'un de nous pourrait tenter de les éloigner pendant que l'autre ouvre le portail. Vous êtes le seul à être armé. Ok, bah tu vas les éloigner. Fuck. J'ai pas envie de gueuler, moi. Vas-y, toi. Ces maudits pièges. Il y a une manivelle sur la terrasse. Actionnez-la que je puisse passer. J'ai bien fait de rester sur ici. Ah bah c'est lui qui y va. Il est gentil, dis donc. Mais moi, par tu... ici. Là. Hé hey. Par ici! C'est ça, suivez-moi! Il va juste réussir à se faire tuer. Boulé! Bon, allô, la sortie. Quoi, le contrôle? Oh oh. What? Dégage, toi! Alors lui il a rien compris. Oh y'a des people. Y'a des people. Oh allez où la sortie, allez où la sortie, allez où la sortie. C'est quoi ce bordel quoi? Montons. Est-ce qu'ils savent monter les échelles? D'ailleurs, ce qui me fait peur, c'est que... Il a sauté d'en haut. Préparons notre pistolet. What? C'est quoi ça? Carreau aveugle en carreau pour l'arbalète. Oh, mais j'ai pas d'arbalète. Ça, c'est con. Y'a pas d'arbalète. Alors lui il est sorti par là. Il est parti de là-bas, d'accord. Bon, comment je redescends? Je peux pas descendre plus rapidement hein. Ah mais lol, il est pas mort lui. What? Y'a un pistolet? Bâtard!
Crève, bitch. Die. Bon, moi je me casse. Allez, monte. What? Merde, faut que je me planque. J'ai au niveau. Aïe. Moi j'aime bien passer en force. Alors c'est pas bon de passer en force. Qu'est-ce que sa gueule là en haut là. Putain mais allez là, t'es pas crevé. Dégage. Zombie ça. What? Aïe. Mais je m'en fous du carreau, putain. Je veux rentrer dedans. Oh putain, j'ai plus de soins en plus. Ça, ça pue ça. Ça, ça pue ça. Ça, ça pue encore plus. Putain, y'en a partout! Non, tu m'auras pas, tu m'auras pas. Oh oui, des balles. C'est bon ça. Attendez, 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 on va se rentrer. C'est quoi ça, ce levier? What? Dégage. D'accord, ça ne sert à rien ce truc. Connerie. Aïe. Eh là, ça sert à rien cette connerie, putain! Ah si, on était bon. Oh putain, il y avait de la vie. Ah! J'ai eu chaud, qu'ils ont chaudé. Elle est où la vie là? À la gauche. Putain! Pourquoi je peux pas l'utiliser? Ah, mais j'ai retrouvé ma hache moi. Oh, ça reste un flingue! Oh, fusil de pompe! Ouais, là je vais l'utiliser par contre. Je vais les remplacer par ça, je sais pas ce que c'est. Carreau fabriqué, je n'ai rien à péter. Ah non, d'accord, c'est un... C'est un truc spécifique, non. Mais pourquoi? Pourquoi il n'aimait pas aussi? Ça le fout pas, craint raccourci. Ah ouais, d'accord. D'accord, d'accord. Bon. Encore une fois, on a eu chaud aux fesses. Comment on loue cette connerie là? Génial. Il doit y avoir quelque chose qui peut couper ça. Une tronçonneuse ou un truc du genre. On va aller voir en haut.
Tiens, on va aller voir là-bas aussi. Ouais, c'est d'où je viens. Ah d'accord. D'accord, donc ça me force à aller visiter toutes les baraques, quoi. On va les retourner là, voir s'ils sont tous morts. Voir si j'ai rien oublié aussi. Sur tout ça. Là, y'a rien. On va ramasser ça. Hop. Je sais pas qui les range tous ces trucs, mais en tout cas, il doit avoir un sacré sac à dos. Des munitions. Je sais pas ce que c'est. Une arbalète. Bah bizarrement j'en avais une. Non, on va faire ça. Hop, ok. Non, le pistolet c'est là-bas. Ça c'est à gauche. Voilà. C'est bon ça, la arbalète. Pas que le piège se retourne contre moi. Ouais, des points. Hop. Des points. Bon, faudrait que je repasse à la. À la case. Miroir. Non. Qu'est-ce que c'est ici? What? Pourquoi le piège se met en route? What? Non, c'est pas ça. Putain, fait chier quoi, il y a même des pièges à terre. Ouh. Putain, faut aller voir quand même. Mais fuck! T'as même un coup de fusil à pompe, il die pas quoi. Un coup de fusil à pompe à bout portant, tu die ou pas? Oh. Oh bâtard. Tu vois moi ce que je vais te faire à ta tête. Dégage. Connard. Non, pas les grenades. Non, pas le fusil à pompe. Non, c'est pas ça non plus. Allez, où ma vie? J'ai pu. Ah si, elle est là. Voilà. Bon, je les crame plus, je veux dire, j'ai plus de trucs. Alors ça par contre, ce bruit là, je vais pas l'aimer. Y'a rien dans cette caisse de merde. Y'a un coffre là. Des munitions. Fuck. Comment je pourrais l'attirer? Je te parie que de toute façon que je dois aller dedans. On peut pas le casser. Thank you.
Putain, mais il va pas bouger son cul, son forêt, quoi. Ça va, petit cochon? Ah! Non! Non! Mais lol, comment il me rush, quoi, comme un porc! D'accord. Bon, ça, par contre, ce bec-là, là, il va me saouler. Je tenterais bien de rusher à côté de la bombe, mais je pense pas que ça va le faire. On va tenter, hein. Mais là quoi, il y en aura la pété de la bombe. Dégage toi, putain, va te faire faute. J'ai plus de munitions. J'ai plus de munitions. Et si je fais une petite grenade là. Putain, mais je vais prendre l'arbalète. D'accord, je me suis fait couper la tête. Bon, bah de toute façon, je pense que c'est un passage obligé pour pouvoir... Bah, passer, tout simplement. Putain, je sais pas comment je vais faire, sérieux. Où est-ce que je peux passer par au-dessus, là? Ça semble que ça va rien changer, mais je sais pas pourquoi. Mais... Oh, il est juste en dessous, cet enfoiré. Là. Putain, comment je vais aller là, moi? Bon, tant pis. Quitte à poser des munitions. Oh, il y a plein de trucs ici. Il y aura un truc avec ces statues là. Voilà, une clé, bitch. Bon, il n'y a rien d'autre. Bon, il n'y a pas moyen de descendre plus rapidement ces escaliers là. Si, comme ça. Ah, bonjour. Ah, le flic. Ah, va chercher ta tête. J'avais récupéré des munitions de pistolet. Ah, bah, c'est demandé. Il doit y avoir un truc là, sérieux. Doit avoir un truc. Comment je peux bousiller l'autre en bas là?
pote. Futile. Merde, putain, le con. Non, pas du côté là. Descends, 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 descends. Putain. Je sais même pas où est-ce qu'il est ce truc pour ouvrir. On va se cacher sous le lit. Genre il sait que je suis là quoi. Non mais là quoi. Et n'importe quoi. Sérieusement. Sérieusement. Comment ça me saoule ce mec à la tronçonneuse. Comme tous les mecs à la tronçonneuse dans tous les jeux. Et je reviens ici. Fais chier. Je vais recharger mes munitions en haut, moi. Allez, dépêche-toi, j'ai pas le temps. Ah, est-ce qu'il y a des trucs là? Bon. Hop. Ouais, ouais, ça je m'en fous. S'en fout. Putain, mais. Je passe même pas dedans, quoi. Je vais prévoir ma fuite. Putain, j'ai plus de vie. Voilà, t'as la vie. De la vie, des munitions, que demander plus. Je remonte en haut là. Tiens, j'avais pas détruit les cartons là, je crois. T'es, mais il peut pas monter plus vite sur les échelles quoi. Il doit avoir une technique. Je sais pas à quoi servent les clés. Je sais pas ça, si ça va me servir. Est-ce que je peux sauvegarder là? Non? Non, on peut pas sauvegarder. Chier quoi. Oh bâtard. Y'a... Oh non! D'accord, je peux m'en servir comme bouclier. Non, c'est la bouteille. D'accord. Non, mais ok, d'accord. Je sais pas du tout où est-ce qu'elle est cette sortie quoi. Ta gueule. Mais où est-ce que c'est la sortie quoi? Tape, y'a des bombes partout quoi! Tu veux faire quoi? Okay.
quelque chose de musique. On va tout casser. Il faudrait limite un point de contrôle, voyez. Ça me suffirait aussi, même si c'est pas un point de sauvegarde. Putain, les passages, toi. Bon, une bouteille, ça va rien faire. De faire sortir tout de suite les grosses armes. Ah ouais, mais non, mais on est arrivé dans la maison de boulet là. Putain, je suis salé, je suis perdu quoi. Je sais qu'il faut ouvrir. Cette fucking. Dire cette fucking porte là-bas là. Mais parce qu'il y a toujours un mais, je sais pas où. J'ai ramassé une clé. À l'objet, ça aurait quelque chose, cette clé de merde. Bah allez, t'es pas crevé quoi. T'as le mec qui court 2 mètres, il est crevé. Putain, puis. Allo, j'ai plus de munitions. Oh oh. Ne bouge plus! Regardez-moi! Voilà. Oh, point de contrôle! Je vais te demander. Je voudrais bien un petit miroir. Vous n'auriez pas un petit miroir pour moi? Lumière ici parce qu'on voit que dalle. Ah, des munitions de plusieurs points. Je crois que j'ai fait toutes les baraques. J'ai peut-être compris. Le coup de tronçonneuse. Il dit qu'il faut une tronçonneuse. Il va ramener le gros. Non. Putain, mais qu'est-ce qu'il fout là lui aussi. Ah, il s'est pas mangé. Mais casse-toi toi. Putain. Bitch. Bon. On va se la tenter comme ça hein. Non, peut-être pas comme ça. Die, bitch. Oh, je l'ai eu. Oh, je l'ai tué. Oh, je l'ai tué. Je l'ai tué. Tiens, toi, crâne. Wow. D'accord, à chaque fois que je bats un gros truc, apparemment, il récupère. Il récupère toute la vie de. Bah, des mecs qui sont morts. Trop sonneuse. Ah, on commence à moins rigoler là. Oh, plus 5000, ça pète ça. Ouais, du coup. Comment je sors la tronçonneuse hein? Peut-être juste à l'approcher, non?
Mais pourquoi je la garde pas la tronçonneuse sérieux quoi? C'est Nawax. Attendez, par ici. T'as le truc qui se rabaisse. Officier, ne me laissez pas derrière. C'est inspecteur Castellanos. Leslie ne doit pas être loin. Il faut absolument qu'on le retrouve. Putain, ça y est, j'ai un autre truc. Oh, on a déjà fini le chapitre 3, les amis. Eh bien, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, aimer la vidéo, rejoindre la chaîne, le Facebook, le Twitter. Tous les liens sont dans la description. Moi, je vais faire une petite sauvegarde. Puis voilà, hein, j'espère que donc cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour le 5e épisode. Portez-vous bien et à bientôt.